Je sais qu'en 2019, le rêve de beaucoup de personnes, c'est de pouvoir travailler de n'importe où, que ce soit en voyage, en vacances, mais principalement aussi chez soi, à domicile. C'est un rêve, je peux vous le dire. Et puis, ce qui est avantageux, c'est que tu peux faire tes propres choix. C'est toi qui décides de ta vie, de ta liberté. Tu fais tes plannings, tu travailles le matin, tu décides ben justement si tu veux te lever ou pas. Le soir, tu te couches à l'heure que tu veux et tu n'as pas de patron pour te dire ce que tu dois faire. C'est ce que je peux appeler le sentiment de totale liberté. Salut tout le monde, ici Pierre Elliott de Money Hack. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des métiers qu'on peut faire de n'importe où et principalement de chez soi pour gagner de l'argent sur Internet et en vivre et dire adieu à son patron. Donc si tu es intéressé par tout ça, si tu as envie d'indépendance, si tu rêves de liberté, si tu rêves de gagner de l'argent en ligne depuis chez toi, eh bien ce sont des métiers qui vont pouvoir t'intéresser. J'en présentais 7 qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros tous les mois. Ils sont adaptés à des débutants comme à des expérimentés. Évidemment, certains sont un peu plus poussés, mais tu trouveras chaussures à ton pied et tu trouveras surtout quelque chose qui va te convenir par rapport à ta situation. Dans cette vidéo, vous êtes vraiment privilégiés parce que je vais vous donner les 7 opportunités que vous allez commencer à mettre en place immédiatement. Et surtout, ce sont des métiers d'avenir puisque ce sont des métiers qui sont sur le web et qui ont un fort, fort potentiel pour les années à venir. Je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi ils ont un fort potentiel, vous expliquer bien évidemment le métier en question et puis vous allez pouvoir commencer à l'implémenter. Ici, je vais pas vous montrer des sondages rémunérés ou vous dire de regarder des vidéos qui vous rapportent 3 centimes par heure. Loin de là, ce sont des vrais business en ligne, des choses qui vont vous permettre de vous développer en ligne et il faut des gens motivés pour cela. À la fin de la vidéo, pour les plus courageux d'entre vous, je vais vous offrir un e-book qui va vous permettre de démarrer en e-commerce. Un e-book de 30 pages sur l'e-commerce qui va vous permettre vraiment de démarrer votre business en ligne si ça vous intéresse. Donc restez bien jusqu'au bout pour avoir l'e-book et pour avoir évidemment les 7 métiers qui rapportent plusieurs milliers d'euros tous les mois. C'est parti. Donc le premier business à domicile que je vais vous présenter, c'est tout simplement les cours en ligne. D'après Forbes, les cours en ligne sont en train littéralement d'exploser le marché et vont exploser dans les prochaines années. En 2015, il y avait eu une prédiction qui avait été de 107 milliards de dollars pour le marché des cours en ligne et cette prédiction a été atteinte. Là, les experts ont fait une nouvelle prédiction et en 2025, la prédiction est de x3, c'est-à-dire de 325 milliards de dollars. Vous vous rendez compte, 325 milliards de dollars, si vous arrivez à avoir un millionième de tout ça, eh ben c'est déjà absolument énorme. Les cours en ligne, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de proposer une expertise en ligne comme un cours à l'école mais sur Internet. L'avantage, c'est que vous le tournez une fois et qu'après, vous pouvez le vendre des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois. C'est ce que je fais moi dans une partie de mon activité et ça me rapporte des milliers et des milliers d'euros tous les mois. Donc tu fais le cours une seule fois et après tu le mets sur une plateforme. Bien évidemment, tu n'as pas besoin forcément d'avoir une communauté. Il existe des plateformes où tu peux mettre ta formation, ton cours en ligne et il y a des milliers de personnes sur cette plateforme qui sont déjà là, un trafic naturel qui va pouvoir acheter ton cours en ligne. Donc il y a des plateformes comme un TPE, comme Clickbank ou comme Udemy où tu peux facilement upload tes cours. Et il y a des personnes qui vont entrer dedans. Donc évidemment, là aussi, tu te dis, oui, mais il faut que je sois expert pour faire un cours en ligne. Là, encore une fois, pas du tout. Il s'agit simplement d'avoir des connaissances dans un domaine. Si tu attends d'être le plus gros des experts pour tenter de montrer ton expertise, de la développer ou de l'enseigner, eh bien, tu vas attendre des dizaines d'années. Donc l'idée, c'est que tu commences à faire une formation, un cours dès maintenant et que tu vas améliorer au fil du temps. Imaginons par exemple que tu aies des petites connaissances en design, que tu sois un peu bon sur Photoshop, pas forcément trop, ou que tu sois un petit peu bon, je sais pas, dans un domaine, dans l'e-commerce, dans l'édition de vidéos, peu importe, eh bien, tu vas pouvoir créer un cours dessus sur les connaissances que tu as déjà acquises, le proposer à des personnes. Tu peux faire un prix très attractif parce que justement, t'es pas forcément le meilleur dans le domaine. Et puis après, ben, plus tes compétences vont évoluer, plus tu vas alimenter la formation, tu vas pouvoir potentiellement augmenter le prix. C'est un marché absolument énorme et je vous conseille vivement de vous pencher dessus. Donc le second business que je vais te présenter, c'est d'être virtual assistante. Donc en français, assistant virtuel. Qu'est-ce que c'est qu'un assistant virtuel? C'est simplement quelqu'un donc qui n'a pas de patron, hein, qui est chez lui ou ailleurs et qui gère son emploi du temps. Il est entrepreneur et qui va exécuter des tâches type administrative, type assistance technique ou d'autres tâches pour quelqu'un d'autre ou pour ses clients. Donc tu peux avoir plusieurs clients et tu peux par exemple faire des tâches comme faire les listings sur eBay, faire le tri des mails, modérer un groupe Facebook,
gérer le compte Pinterest, vraiment tout type de tâches dont tes clients ont besoin. Et tu vois par exemple qu'en France, le salaire moyen, c'est 16 euros de l'heure. Donc généralement, c'est entre 15 et 20 euros de l'heure. Si jamais tu souhaites devenir assistant virtuel, donc ce qui est bien, c'est que tu peux le faire de n'importe où, juste avec ton ordi, et que tu peux avoir plein de clients, eh bien tu peux aller sur des plateformes pour t'inscrire en tant que freelance et proposer tes services. Tu peux notamment aller sur Upwork. Tu vois, j'ai tapé virtuelle assistante, mais il y a des gens qui en recherchent des Français. Et tu vois que les gens, donc, ils mettent leurs tarifs et ils mettent là où ils ont de l'expérience, là où ils peuvent aider. Donc évidemment, si tu n'y connais rien, tu peux être assistant virtuel et faire des petites tâches très simples comme trier des mails. Et puis si tu es un petit peu plus poussé, si tu es un petit peu plus expert, eh bien tu peux être assistant virtuel dans d'autres domaines et augmenter tes tarifs. Donc évidemment, tu peux t'inscrire sur ce site, tu vois, il y a de tout, hein. Il y a 12 dollars, 20 dollars, 23 dollars. Et plus tu es expert dans un domaine, plus tu vas pouvoir augmenter tes prix et avoir une renommée sur le marché. Et en plus, tu peux multiplier les clients et ça, c'est super. Il y a des assistants virtuels qui gagnent énormément d'argent, parfois jusqu'à 4-5 000 euros par mois, parce qu'ils sont très compétents, parce qu'ils sont très forts et parce qu'ils ont plusieurs clients en même temps. Donc c'est vraiment une excellente opportunité si tu démarres le business en ligne, parce que tu peux vraiment faire tout type de tâches. Le troisième business à domicile que je vais vous présenter, c'est l'e-commerce. L'e-commerce dans sa globalité. Alors évidemment, on connaît tous le dropshipping, on connaît aussi l'e-commerce de manière globale, c'est-à-dire vendre des produits sur Internet, mais il y a aussi différentes choses qui existent, par exemple aux États-Unis, qui sont hyper intéressantes à mettre en place si vous débutez et que vous voulez un complément de salaire de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros par mois. Ça s'appelle les garage sales. Donc qu'est-ce que c'est? Donc les ventes de garage, hein, pour la traduction, en français mot à mot, c'est le fait, eh bien, d'aller par exemple à des marchés aux puces, ou des braderies pour trouver des produits et les acheter et les remettre en vente sur eBay, sur Amazon ou autre. Pourquoi ça marche si bien? Parce que quand vous allez à une braderie, les gens vont vendre des produits à 1, 2, 3, 4, 5 euros et ce sont des produits qui peuvent se revendre 3, 4, 5 fois plus cher. Moi, je l'ai déjà fait par le passé et ça marche plutôt très bien. Tu peux trouver par exemple des montres à 5 euros que tu peux revendre 30, 40 euros assez facilement. Et ça, c'est assez intéressant parce que les gens se débarrassent de leurs affaires. Toi, tu vas pouvoir faire plusieurs braderies, je sais pas, dans ta région, dans ton quartier, dans ta ville, et récolter pas mal d'objets que tu vas revendre sur les marketplaces pour faire des bénéfices. Une fois que tu auras fait ça, tu auras engrangé pas mal d'argent et tu pourras commencer à créer un vrai e-commerce avec l'argent que tu as déjà gagné. Donc ça, c'est hyper intéressant à mettre en place, c'est plutôt simple et en plus c'est semi-virtuel parce que tu as une partie en réel et une partie en virtuel, donc ça peut être plutôt sympa. Ensuite, l'idée de business numéro 4, c'est d'être community manager. Donc, qu'est-ce que c'est que le community management? C'est tout simplement le fait de gérer les réseaux sociaux d'un entrepreneur ou d'une entreprise, donc de quelqu'un d'autre. Tu es entre guillemets expert en réseaux sociaux. Donc, c'est simple, il y a des gens comme moi, donc des entrepreneurs, qui n'ont pas le temps de gérer certains réseaux sociaux. Moi, je ne peux pas gérer Instagram, par exemple, et il y a des gens qui sont experts dans ce domaine-là. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont me proposer de me le gérer pour moi. Moi, je vais gagner du temps et eux, ils vont gagner de l'argent. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et c'est ce que je fais actuellement. Donc j'ai une personne qui s'appelle Olivier Collier qui gère mon Instagram et je le paye plusieurs milliers d'euros pour qu'il puisse gérer mon Instagram. Donc il fait tout de A à Z, il répond aux messages, il fait des partenariats, il fait les visuels, il fait absolument tout. Donc ça peut être intéressant si toi tu t'y connais dans un réseau social un petit peu. Tu peux gérer des pages Facebook, des comptes Instagram, des comptes Pinterest, des comptes Twitter, des chaînes YouTube, vraiment libre à toi de le faire et ça fonctionne très bien. En France, le salaire moyen, alors ça c'est plus quand tu es employé parce que chaque entreprise évidemment a un community manager, mais quand tu es salarié, tu peux gagner environ 31 000 euros en moyenne. Évidemment, ça dépend, c'est une moyenne. Mais quand tu es employé donc par toi-même, hein, c'est-à-dire que tu es entrepreneur, tu peux gagner beaucoup plus d'argent parce que tu gères plusieurs clients, parce que c'est ton entreprise, parce que c'est toi qui vas chercher les clients. Et ce qui est bien, c'est que c'est illimité, c'est-à-dire qu'il y a presque aucune entreprise qui n'a pas de community manager ou de réseaux sociaux. Donc toi, tu peux aller toquer, voir des petits entrepreneurs ou des petites entreprises et leur dire, ben voilà, moi je vous propose, je gère tout votre Instagram, tout votre Facebook contre tant d'argent. Et tu vas faire donc les publications, donc tu vas pouvoir les automatiser et faire d'autres choses dans ce domaine-là. Le quatrième business à domicile que tu peux faire, c'est le consulting. Alors le consulting, c'est un mot qui fait peur, qui effraie les gens parce qu'ils disent consulting, faut être un expert, faut être un big boss, faut être trop fort. Pas forcément, en fait. Le consulting, c'est simplement de rendre un service à une entreprise en lui apportant ton expertise. Mais t'es pas obligé d'être le meilleur des experts dans le domaine, là encore une fois. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir faire du consulting? L'idée et l'avantage de ce mode de business, c'est que c'est assez illimité. En fait, comme c'est souvent du B2B, c'est-à-dire que tu vas rendre un service à une entreprise, eh bien, c'est illimité parce qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers d'entreprises, c'est illimité. Donc, tu vas contacter une entreprise, mais après, il y en aura une autre, après, il y en aura une autre, il y en aura une autre. Ça s'arrêtera jamais. Tu pourras avoir autant de clients que tu veux si tu t'y prends bien. Et l'idée, c'est d'avoir un process qui fonctionne. Une fois que tu as réussi à avoir un client d'une manière, eh bien, tu dupliques
cette manière et ça va te permettre d'avoir plein de clients. Donc qu'est-ce qu'il y a comme type de consulting? Eh bien tu peux faire par exemple du consulting publicité, donc Facebook Ads, AdWords, tu peux faire YouTube Ads, tu peux aussi faire du consulting référencement Google, donc le SEO. Moi je le fais, c'est-à-dire que je paye une personne qui va gérer le SEO de mon blog, donc je la paye environ 1000 euros tous les mois et elle va gérer le SEO de mon blog et aussi en plus écrire certains articles. Donc ça c'est du consulting, c'est-à-dire qu'elle va déjà, je lui délègue tout, je m'en charge pas, c'est mon avantage, je gagne du temps et elle, cette personne, gagne de l'argent. Donc évidemment, il faut avoir une mini compétence dans un domaine ou du moins se former auparavant. Là, si tu me regardes et que tu n'as aucune compétence dans aucun domaine, eh bien tu peux te former sur des domaines, donc avec des formations, avec des vidéos et acquérir des compétences et ensuite proposer ces compétences en consulting. C'est pas très compliqué, il faut juste eh bien s'entraîner un petit peu et surtout acquérir des compétences dans un domaine bien précis. Il faut savoir, moi par exemple, c'est que quand j'ai débuté sur internet, donc j'étais freelance au début et j'ai fait du consulting en développement commercial alors que j'y connaissais presque rien. Mais ce que j'ai fait, je me suis renseigné, j'ai vu les stratégies qui existaient déjà, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai fait plein de choses pour me former et me renseigner et après ça m'a permis d'être beaucoup plus compétent quand j'étais face à l'entreprise en question. Donc là c'était plutôt en mode freelance, c'est-à-dire que j'étais inscrit sur une plateforme de freelance étudiante et j'ai pu proposer ma candidature à une offre et être accepté. C'est comme ça que j'ai fait. Donc comme j'ai dit, ce qui est bien, c'est que c'est assez illimité. Tu peux exploser des plafonds financiers parce qu'en plus, comme tes clients, c'est des entreprises, ils sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent qu'un particulier sur la table. Donc évidemment, j'ai parlé de YouTube Ads, Facebook Ads, mais si tu as un autre domaine en question qui te vient à l'esprit, tu peux le faire. Par exemple, créer des tunnels de vente, faire le rebranding d'une marque, améliorer l'expérience utilisateur. Voilà, il y a énormément de domaines dans lesquels tu peux apporter tes connaissances et faire du consulting. Et là, au niveau des prix, des tarifs, etc., j'ai rien donné parce que ça peut littéralement exploser toutes tes attentes. Si tu arrives par exemple à te constituer une petite équipe de consultants, tu peux vraiment faire des milliers et des dizaines de milliers, voire même des millions d'euros. Le sixième business à domicile que tu vas pouvoir mettre en place, ce sont les microservices. Les microservices, c'est assez connu de nos jours, ça commence à exploser. Ce sont simplement des petits services que tu vas mettre en ligne entre 5 et plusieurs dizaines, voire centaines d'euros parfois, et que tu vas délivrer à des personnes qui sont en recherche. Par exemple, ça peut aller de tâches très simples comme lister des produits sur eBay, envoyer un PDF, envoyer une liste, envoyer un e-book qui est déjà confectionné, que tu as juste à envoyer, à des tâches plus compliquées comme créer un logo, créer une page de vente, écrire un article. Voilà, ce sont tous des microservices et moi, je les utilise régulièrement, j'en vends et j'en achète parce que j'en ai besoin. Par exemple, pour mon blog, j'achète des articles et puis moi, je vends des listes de produits gagnants. Donc ça, c'est un exemple que tu peux mettre en place. Il y a des plateformes qui existent avec un trafic naturel déjà sur le site comme 5euros.com ou Fiverr, qui est l'homologue anglais, et ça te permet vraiment eh bien, d'avoir des petites ventes tous les jours qui te permettent de te créer un revenu complémentaire. Il faut savoir qu'il y a des gens qui gagnent des milliers d'euros par mois grâce aux microservices. Moi, je connais une personne donc, qui me faisait mes miniatures sur YouTube avant, qui gagne 1600 euros tous les mois sur 5euros.com, donc une plateforme de microservices en proposant ses services, alors que cette personne est étudiant en Algérie. Donc ça te montre que n'importe qui peut le faire et de n'importe où. Le septième et dernier business à domicile que je vais te présenter, c'est tout simplement éditer des photos ou des vidéos. Alors pour celui-là, effectivement, il faut avoir un petit peu plus de compétences parce qu'il faut des compétences dans ce domaine spécifique. Mais c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Étant donné que le business en ligne explose et que Internet explose en général, on est toujours à la recherche de personnes ayant des compétences dans un domaine qui est lié à Internet. Et l'édition de photos et de vidéos, c'est absolument exceptionnel. Moi, je suis toujours en recherche de ce type de personne qui va pouvoir améliorer une de mes vidéos, améliorer une de mes photos en la rendant beaucoup plus belle, beaucoup plus attractive et beaucoup plus facile et simple à regarder. Donc d'ailleurs, si certains d'entre vous font de l'édition de photos ou de vidéos, je veux bien que vous me contactiez à mon adresse mail que vous retrouverez sur le à propos de ma chaîne pour potentiellement échanger sur un futur partenariat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut rapporter vraiment pas mal d'argent, surtout que sur internet, il y a beaucoup de bouche à oreille. Moi, les partenaires avec qui je travaille, ça a été beaucoup de bouche à oreille parce que j'ai entendu qu'ils étaient bien. Je les ai pas trouvés par moi-même, on me les a conseillés. Donc si tu es bon dans ton domaine et que tu arrives à avoir un petit portefeuille de clients et un petit réseau, tu peux littéralement réaliser des milliers d'euros tous les mois en faisant par exemple de l'édition de photos ou de vidéos. Évidemment, là aussi, c'est un exemple. Il y a beaucoup de petits services de ce genre que tu peux développer, comme créer des miniatures sur YouTube. Donc moi, par exemple, il y a quelqu'un qui me crée mes miniatures YouTube, il s'appelle Max Desgarnier. Vous pouvez aller trouver son profil Facebook et lui parler si ça vous intéresse. Et ça me permet, moi, de gagner du temps et puis lui de gagner de l'argent en échange. Et je suis toujours à la recherche de ce genre de partenaire parce que moi, mon but, c'est vraiment de déléguer le maximum de choses là où j'ai pas de talent, en fait. Il y a beaucoup de choses que je sais pas faire et au lieu de m'entraîner à les faire, eh bien, je laisse
les autres les gérer pour moi. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour les plus courageux d'entre vous, la surprise est arrivée. J'ai un petit e-book dans la description qui vous permet de démarrer un e-commerce en dropshipping sur eBay. Donc il fait 30 pages, il est entièrement gratuit. Et l'avantage de ça, c'est qu'il est vraiment, vraiment très, très bien. Surtout si vous êtes débutant, il va vous aider à tout comprendre et à pouvoir commencer. Donc voilà, vous cliquez sur le lien dans la description, ça va vous mener sur la page de présentation et vous pouvez le télécharger. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. On se retrouve une très prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.